D'abord, est-ce que tu sais qui marque le but? Non. Ouais. Non. C'est ni Fernandez ni Mascherano. Je sais pas. Personne l'a dit. Non, je sais pas. Bon, c'est un point inespéré en tout cas, tu le juges comme ça? Pas du tout. Ah non. Inespéré dans le sens où c'est la dernière minute. Ah. Ouais. Non, pas inespéré. Moi, je trouve que j'ai aimé l'état d'esprit des joueurs dans ce match-là. C'est un match engagé. Sur le plan athlétique, il fallait du répondant. Et je trouve qu'on a fait preuve de beaucoup de discipline. On a respecté l'organisation vraiment à la lettre. Les vertus mentales et morales qui nous ont animés tout au long du match nous ont permis, je pense, effectivement, de revenir dans les arrêts de jeu. Mais je trouve pas que ce soit immérité, on s'en fout. Ou inespéré. Parce qu'on a eu, nous aussi, quelques opportunités en seconde période. Et je sentais que finalement c'était un match qui pouvait même basculer en notre faveur. Donc voilà, ça se joue sur deux coups de pied arrêtés. Maintenant, on ne va pas bouder notre plaisir de venir faire un résultat à l'extérieur, parce qu'on était quand même, vous le savez, le plus mauvais élève de la classe. Donc ce point suffit largement à notre bonheur, à nous contenter. J'ai adoré l'état d'esprit des joueurs, dans la bagarre, dans le combat, dans l'abnégation, dans la volonté. Et je crois qu'en jouant un tout petit peu mieux certains coups, en première période, en début de match, et puis en seconde mi-temps, voilà, sur le plan technique, ça plus quand un petit peu plus sur les situations d'attaque rapide, on aurait pu également marquer avant. Donc voilà, Auxerre faisait quand même figure de favori dans ce match-là. Et je pense qu'on a été plutôt à la hauteur. Demander la rigueur avant ce match, là vous devez être assez satisfait effectivement du comportement des joueurs sur ce plan-là. Écoutez, jusqu'à présent, on n'avait quand même pas toujours été récompensé de nos prestations à l'extérieur. Et puis le scénario semblait vouloir se répéter. Et je crois que c'est pas un hasard qu'on égalise dans Money Time comme ça. Ça sourit généralement quand vous avez fait ce qu'il fallait pour que ça tourne dans le bon sens. Et ce soir, je trouve que les énergies étaient plutôt positives. J'ai senti une équipe très concernée. Et c'était un match engagé où il fallait des vertus mentales et athlétiques importantes. Et je pense que dans ce domaine-là, on a su répondre présent. Quand vous encaissez le but, vous pensez que c'est fini vous y croyez encore? Quand on prend le but, je pense au changement que j'avais effectué pour essayer de redynamiser l'équipe. Voilà. Et on a eu, avant de marquer sur coup de pied arrêté, on a eu une ou deux opportunités pour revenir dans le match. Non, tu penses à redonner de l'énergie à l'équipe, à tenter, à oser d'autres choses pour revenir. On était vraiment jusqu'au bout. On a lutté jusqu'au bout, je trouve quand même. On est justement récompensé de nos efforts. Même si je peux comprendre que notre adversaire du jour, en prenant un but un peu gag comme ça à la fin, voilà, c'est très frustrant. Je pense qu'ils pensaient avoir fait le plus dur, mais justement en ouvrant le score, parce que jusqu'à présent on avait été en équipe. Et puis, une grosse occasion de Sanogo, je crois. Là, en termes d'occasion en seconde période, c'était finalement assez équilibré, même si la maîtrise globalement était logiquement auxerroise. 4 points en 2 matchs, là, tu penses que ton équipe est relancée là maintenant? Non, c'est la vérité du moment. Aujourd'hui, le résultat de Dijon nous a été très très frustrant. Donc on a mis les boules qui est, les œillères, et puis le match de Châteauroux était prédominant, et puis il fallait être capable d'enchaîner. Donc, on a une série de matchs qui est quand même très compliquée. Un déplacement à Auxerre, la réception de Nantes, un déplacement à Clermont et à la réception de Caen. Donc voilà, notre objectif, il est clair. Si on fait preuve toujours du même état d'esprit, voilà, j'espère qu'on aura des satisfactions, parce que je pense que ce sera la clé, la base de notre réussite. Oui. Vous imaginez frustré par au moins le scénario, parce que jusqu'au bout, vous, finalement,
donner la victoire. Moi, je pense qu'on avait fait par une table de match un peu difficile. Si on s'y attaque, je pense qu'après, l'équipe a voulu de mieux en mieux dans le match. On a fait une très bonne attaque de seconde mi-temps. On a mis le rythme, nous avons créé des occasions. Et c'est logiquement, nous avons ouvert le score. Et puis après, avec 0, on a arrêté de jouer. Quoi. Voilà, il y a la blessure de Ramos aussi sur le coup. Puis on perd la concentration sur. À vouloir garder les résultats et on n'est plus concentré sur les moyens, quoi, c'est tout. Voilà. C'est un peu le mal de la GIA, mais j'y travaille aussi. Ça, c'est finalement, une fois que vous êtes devant au score, vos joueurs ne savent plus trop quoi faire alors que. Mais c'est de continuer à jouer. Ouais. On a bien joué la deuxième mi-temps, mais c'est de continuer avec la même façon. Ça marche, on continue. On les pressait bien, on n'a pas concédé pratiquement d'occasion, donc c'était de continuer pareil. Quoi. Vous savez qui marque le but de l'égalisation? Non. Je crois que c'est Willy qui s'est la mis dedans. Ouais. Regardez. Mais bon, on avait fait une bonne rentrée aussi, dans des conditions pas trop faciles, donc on ne va pas reprocher ça. C'est que dans le but, il y a des choses qui se passent comme vous l'évitez. Tu sais que vous avez perdu la concentration une fois que vous avez marqué. C'est-à-dire que vous avez trouvé, c'était votre inquiétude avant le match, vous avez trouvé vos joueurs vraiment concernés aujourd'hui sur ce match? Un début, non. Début, on a eu un peu de mal. On s'y attendait. Et après, je pense qu'au fur et à mesure, on est rentré dans le match. On a fait une bonne deuxième étape. Maintenant, un match, ça dure 93 ou 94 minutes. Et c'est pas parce qu'on mène à 0 qu'il faut changer quoi que ce soit. Il faut rester là. Concentrer sur les principes, justement, c'est pas parce qu'il y a une évolution du score qu'on doit se désorganiser ou quoi que ce soit. Là, on a été vouloir garder un résultat, mais on s'est pas pris. On n'a pas mis les moyens pour. Je travaille là-dessus. Vous attendez toujours ce premier match sans prendre de but? C'est quelque chose qui vous préoccupe? Non, mais bon, ça montre que. Quand on met en place les principes, on défend bien, on est bien, on a bien pressé l'adversaire aussi, on les a empêchés de jouer, on a fait de belles actions aussi, des choses intéressantes. Là, c'est d'arriver à être cohérent tout un match, on n'est pas encore. Voilà. Chaque fois qu'on s'est appuyé sur les principes, on a été bien. Donc il y a quelque chose qui marche, il faut continuer à le garder. Vous arrivez à vous expliquer pourquoi votre équipe n'arrive pas à faire un match? Oui, parce qu'ils sont sur les résultats. D'où l'ouverture du score à vouloir garder le résultat, ben, oui, tu peux le garder, mais continue à mettre tes principes en place. Ce qui a bien marché avant, mais continue, c'est pas parce que tu mènes un 0 ou que tu perds un 0 que tu dois changer. Hein? Et on le voit sur. Sur l'action qui amène le corner, il y a Mini qui dézone, alors que voilà. Après il y a la Christopher qui contre, qui met le corner, et sur le corner, on se dit voilà. Parce que tu as peur de prendre un but, mais le but tu le prends quand même. Finalement, mentalement, ils sont encore touchés quoi, par ces débuts de saison difficiles. Malgré que ça aille pas un peu mieux. C'est comme une idée quand je vous dis, sur le résultat, c'est. Moi, c'est de les enlever d'être sur le résultat, c'est de les mettre. De rester concentré sur les moyens pour tenir un résultat. Voilà. Et de continuer à faire tes principes. Si c'est pas plus compliqué, c'est très simple à comprendre. Olivier est sorti, il était sonné dans. Ouais, il savait plus où il était. Ouais, ça se voit. Et puis il était livide. Ouais, il savait plus où il était. Carlos, vous avez des infos sur ce qu'il a? Il a eu une petite entorse de la cheville, quoi. Mais à 0, on doit continuer à presser l'adversaire, on doit continuer à jouer, on doit continuer à faire ce qu'on a fait, quoi, On a ouvert le score, on était pas mal quand nous avons ouvert le score, on mettait de la pression, on mettait du rythme, on mettait des intentions aussi, il fallait continuer comme ça. Donc ça dépend de nous, ça dépend de l'adversaire.
on travaille dessus. Il manquait un peu de réussite aussi, peut-être. Sur une de nos actions, peut-être de faire pour... Ah, de la réussite, c'est de la réputation, c'est des intentions, c'est de la réussite. Que c'est deux points perdus aujourd'hui, c'est comme ça que vous voyez ou... Bah, si on veut, ouais. Ouais, si on fait une marque, on peut dire qu'on a perdu deux points. Mais bon, il faut persévérer.